Pêcheur, voilà, j'ai eu le retour pour une petite pêche de 48 heures. Le temps il a changé hein, depuis allez, deux jours. Il fait super bon, les températures ont remonté. Voilà, c'est nickel pour la pêche. Le vent il est favorable pour moi. Hein. Voilà, il y a José juste à côté. J'irai le voir après. On va voir la stratégie qu'il va adopter lui. Voilà, moi la stratégie c'est je vais tester mes bouillettes que j'ai roulées. C'est le premier test. On verra qu'est-ce que ça donnait. Voilà, sinon, je pense qu'il va faire bon tout le week-end et ça va le faire. J'ai entendu dire qu'il y a pas mal de monde qui a déjà fait du poisson. Il n'y a pas une grosse pression de pêche, hein, il n'y a pas trop de monde autour de l'étang. Mais voilà, ceux-là qui ont pêché depuis qu'il fait beau, là, ils ont fait un carton apparemment. On verra bien. Hein. Ce premier poste, c'est la première fois que je viens sur ce poste-là. Pour l'instant, je ne vais pas trop amorcer, je vais mettre quelques billes et on verra bien. Voilà, je pense que ça va le faire. De toute façon, je vous tiens au courant. Voilà. On est là pour faire une petite vidéo sympa, ça fait longtemps. Voilà, à part que j'ai fait une vidéo là pour ma machine à rouler. Bon, allez, à plus, ciao. Poisson de l'année quoi. Voilà, à part que j'étais capot, voilà, avec mes bouillettes. Voilà, un poisson de 7 kg. Belle petite commune. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Hein. Un poisson avec mes bouillettes. J'espère que ça continue comme ça. Ah ouais. Ils sont coriaces. Hein. Ah ouais. Il y a un sacré vent quand même. Bon, il est bon pour nous. Hein. Bon, allez, on va espionner un peu l'amorçage qui est. Il a fait, quoi. Interdit. Voilà. Une sacrée mixture. Comme d'hab. Hein. Il a préparé hier soir. Hein. Ouais, très tard. Un peu de tailleur, un peu de pelet, un peu de bouillette. C'est toujours pareil, pas les grèves. Ça, c'est. Des bonnes choses, quoi. L'apéro des cartes. Ah ouais. Nous, on a les cacahuètes, tu vois. Les cartes, c'est pour les grèves. On n'a pas encore commencé les cacahuètes. Non, on n'a pas encore eu le temps.
C'est-à-dire qu'on est arrivé cet après-midi, pour monter le matos. Et puis là, on commence à peine à se préparer à la pêche. Ah ouais, on est motivé. Hein. Ah oui. Puis, il y a des culs là-bas, t'as vu? En face, hein, c'est ça le problème. Bon, il est un peu du. Ah, il vient comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois bien, je me vois, ça te ramène. Bon, on espère cette nuit, on va croiser les doigts. Ouais, croiser les doigts, surtout. Faire un petit doublé. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein, c'est ton point. Ouais, un petit doublé demain matin. Ensemble. Non, cette nuit. Cette nuit, ok. Ouais. Nickel. Doublé de canette. Allez, on vous tient au courant. Ciao. Ça y est, surprise. Première koi que je fais dans un plan d'eau. Voilà. Petit poisson, c'est rare hein, franchement. Allez. En plus elle a été souchée à un moment. Bon, on va tout de suite la relâcher, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, allez. Voilà, à peu près une demi-heure près d'intervalle, encore un bon poisson. Voilà, une grosse boule, une sacrée boule. Toujours sur mes bouillettes que j'ai fabriquées, Scopex, et voilà, ça marche. Je suis très content, hein, franchement. J'appréhendais au niveau des bouillettes. Et voilà, le résultat, il est quand même là. Quoi. Bon, on va tout de suite la relâcher et on va relancer. Quoi, une sacrée boule. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, maintenant c'est la maman quoi. Voilà, un doublé. Un petit doublé, hein. De magnifiques poissons. Allez, je suis là que une de 20. Maintien. 22. 22 presque, ouais. Hein. Ça va, t'as pas un peu trop mal au bras, là. Et toujours avec mes bouillettes. Voilà. Après. Super. Non, moi je prends pas la grosse.
cette nuit, j'en ai fait encore une de 10 kg. Toujours avec mes bouillettes. Ouais, je suis très satisfait par rapport à la recette que j'ai confectionnée par rapport à ces bouillettes. Ça marche. J'ai fait tous les poissons avec ces bouillettes-là, dont la 21 kg. Hein. Ça faisait même plus, presque 22. Et voilà, je suis très satisfait. Bon, là, depuis la dernière de cette nuit, il n'y a plus rien. Le vent, il s'est calmé. Je pense qu'il va faire lourd cet après-midi, quoi. Et là, actuellement, je pense qu'elles soit elles sont en surface ou entre deux eaux. Bon, on reste confiant. Voilà, on a quand même fait, voilà, combien ? 4 poissons, une décroche. Et voilà, c'est bien. Non, 5 poissons et une décroche. Et voilà, bon, la moyenne, voilà, les premiers poissons n'étaient pas hautes, sauf l'avant-dernier de poisson de hier soir, qui voilà, 22 kg, quoi. C'était un super poisson, quoi. Voilà, on reste confiant. Je vous montrerai un peu les montages et l'amorçage que je fais. Et mes billes, quoi, la qualité à l'intérieur de la bille, et voilà. Et voilà, ils ont tenu toute la nuit, hein, sans calcasse, sans rien, quoi. Elles tiennent encore bien sur le cheveu. Pour moi, c'est ok, quoi. Bon, on verra ça plus tard. À tout à l'heure. Voilà, après une période stérile, quoi. Depuis ce matin, enfin depuis la nuit dernière, plus rien, quoi. Et là, il est 15h. Premier poisson de la journée avec une décroche ce matin et toujours avec mes bouillettes. Super satisfait, hein. Franchement, on va la remettre à l'eau. J'espère que ça continue comme ça. Le temps il change, on verra bien. Un beau poisson en fin de soirée, un poisson de 19 plus. Je suis très nerveux. Super poisson, encore une fois sur mes Scopex. À relâcher, elle m'a fait un beau combat, quoi. Que j'utilise. Alors, j'ai une gaine en tungstène avec un clip plomb, un plomb de 90 grammes, un morceau de boom et avec un montage loops. Voilà. Un montage bien équilibré au fond, l'hameçon est plaqué au fond, et voilà.
avec une bouillette maison, une pop-up neutre. Et ça a fait l'affaire hein, hier. Voilà. Voici un peu mes bouillettes. Bouillette Scopex. Voilà. Et dedans la texture qu'on a quoi. Pour moi elle est au top. Et voilà, elle diffuse. C'est nickel quoi. Et au bout de quelques temps dans l'eau, il y a une petite croûte qui s'enlève, tout ça. Pour moi, c'est l'idéal quand le poisson vient taper dedans. Voilà, il y a des quelques particules qui s'en vont et voilà, c'est pour moi, voilà, elle marche. Hein. De toute façon, j'ai fait tous mes poissons là depuis le début de session, 100% avec ces bouillettes. Quoi. Voilà. Et après, au niveau de l'amorçage, hein, voilà, je mets les bouillettes dans un seau. Voilà, je les laisse, comment dire, pendant une heure dans le seau avec de l'eau. Pour que voilà, elle s'imprègne un peu d'eau pour que au lancer après pour l'amorçage qu'elle diffuse tout de suite quoi. Et le résultat était aussi là hier quoi. Ils ont au bout de allez, une heure voilà, et les premières touches qui se sont déclenchées en faisant ça, et voilà, c'était nickel. Voilà un peu pour mon montage, et voilà, j'espère encore faire quelques poissons. 1h du matin, 22,5 kg. Je pouvais pas espérer mieux. Voilà un super poisson. Regarde-moi ça. Incroyable. Magnifique. 22 kilos. On vient de faire un poisson, un combat de dingue. Après cette nuit qui était relativement calme, à part comme vous avez vu, cette superbe 22+. Et voilà, 18. Bon, on va tout de suite la relâcher. Et j'espère que ça continue comme ça, quoi. Franchement, encore un super poisson de 20. Franchement, je pouvais pas espérer mieux avec mes bouillettes. J'appréhendais quoi. Première fois que je fais des bouillettes et j'ai appréhendé là-dessus. Mais c'est exceptionnel la pêche que je fais ce week-end. Quoi. J'ai pas de mots quoi. Je vais vous le présenter, ce super poisson. Très nerveuse, il y a le banc à changer. Et c'est...
je viens de refaire un super poisson. Un poisson de 20. Je pouvais pas rêver mieux avec mes bouillettes. J'appréhendais quand même quand je fabriquais les bouillettes. C'est la première fois que j'en fais vraiment. Et voilà, le résultat il est là quand même. C'est incroyable. Je vais vous le présenter, ce beau poisson. Voilà. Un super poisson. Un poisson qui vient de sortir là, frais, hein, s'asseoir. Voilà. J'ai fait à peu près 14 poissons en 48 heures, dont 3 poissons au-dessus des 20. Et voilà, c'est hier, voilà, ça vraiment, j'avais gratté un poste qui était propre et j'ai vraiment insisté dessus en mettant mes bouillettes que j'ai fait moi-même, quoi. Et ça n'a pas loupé, hein. Hier soir, ouais, à 18h, les premières touches se sont déclenchées. Non, cette carte de 22 plus, quoi, aux alentours de 1h30, franchement, là, j'étais fou, quoi. Surtout avec mes bouillettes, c'était clair, c'est la première fois que je fais des bouillettes. J'appréhendais un peu, mais voilà, mais dès le premier jour, sur une sorte de bouillette que j'avais confectionnée, voilà, j'ai commencé quand même à faire du poisson. J'étais déjà content, quoi, à ce niveau-là. Et hier, j'ai pris une autre sorte de bouillette et j'ai vraiment amorcé sur ce spot. Et voilà, ça m'a déclenché les touches. Dont sur le même spot, j'ai fait une 18 ce matin encore et une 20. C'est franchement, je suis super satisfait de mes bouillettes. Et ça motive encore plus pour aller pêcher, quoi. C'est un truc de dingue ce qui m'est arrivé ce week-end, quoi. Et j'ai quand même fait une grosse moyenne. Bon, j'ai pas pris tous les poissons. J'ai pris en vidéo les plus beaux poissons que j'ai fait. Mais voilà, hein, c'est un super week-end. Bon, il a plu toute la nuit, hein. Et là, le vent, il a tourné. Les touches se sont calmées et j'ai tout remballé là et je vais rentrer tranquillement. Je remercie encore tous ceux-là qui se sont abonnés, qui me posent des questions sur ma chaîne YouTube. Et je pense qu'on se verra vite sur le bateau cabine, quoi. Je prévois d'aller faire une session au mois de juillet là, en bateau cabine. Et voilà, et je referai une petite vidéo. Elle a super bien marché, la première vidéo que j'ai faite. Et voilà. Allez, à très vite. Ciao.